Parfait. Eh bien, je propose qu'on passe maintenant à la partie relative aux licences. Alors, donc, comme je le disais, faire du libre, ce n'est pas renoncer à ses droits. Un logiciel libre, un logiciel d'abord, en général, c'est protégé par le droit d'auteur. Et les licences logicielles qui protègent ces logiciels s'appuient notamment sur le droit d'auteur. Ce sont des contrats qui impliquent un certain nombre de droits et devoirs au niveau des parties qui s'engagent autour du développement et de l'utilisation du logiciel. Alors, il y a un point clé pour les personnes qui font de la publication de logiciels, c'est le mécanisme d'approbation de la licence. Donc, c'est toujours beaucoup plus simple d'un point de vue juridique. Quand vous avez un mécanisme par lequel l'utilisateur du logiciel a dit « oui, j'approuve la licence machin », que dans le cas où votre licence est perdue quelque part dans l'univers de code source que personne ne va lire, et que finalement vous ne savez pas trop bien sous quelle licence a été publiée. Donc quand vous avez des choses comme dans OpenOffice par exemple, quand vous l'installez, vous avez une boîte qui apparaît avec une option non précochée et une obligation de faire défiler le texte, c'est pas juste pour vous embêter, même si ça embête tout le monde, c'est pour vérifier qu'effectivement, vous ne pouvez pas ne pas savoir que la licence qui protège le logiciel est la licence interne. Donc, ça, c'est un mécanisme relativement important par rapport à la sécurité juridique du code que vous proposez. Alors, une question qui est importante aussi lorsque vous souhaitez publier du code, c'est de savoir qui est effectivement propriétaire de ce code. Et ce n'est pas parce que vous avez développé du code source que forcément vous pouvez le prendre et le publier sous licence libre. Un minimum de précautions à prendre. Alors, le premier cas, c'est le cas de la sous-traitance. Vous demandez à une entreprise de vous développer du code sur mesure. Rien ne dit que c'est vous qui êtes propriétaire du code source qui a été produit pour vous par cette entreprise. En fait, ça dépend de ce qui est spécifié dans le contrat que vous avez signé avec cette société. Et parfois, ce n'est pas du tout spécifié dans les contrats. Et donc, on en revient aux notions tout à fait classiques du droit commercial qui, de mémoire, sont à l'avantage du prestataire. Il faut tout vérifier. Mais je ne pense pas que ce soit l'avantage du client. Donc, dans tous les cas, ce qui est important, c'est toujours d'avoir des contrats de sous-traitance qui sont très clairs par rapport aux notions de propriété. Et une fois que la propriété est clairement fixée dans le contrat de sous-traitance, de vous y tenir dans les décisions que vous devez prendre ultérieurement. Si le code appartient à votre prestataire, il n'est pas question de prendre ce code et de le mettre sous licence libre. Dans le même ordre d'idée, quand vous avez un contrat de travail d'informaticien, vous avez une présomption de cession des droits patrimoniaux vers votre employeur. Donc les droits patrimoniaux, c'est quoi? C'est tous les droits qui sont importants en termes de valorisation. Donc c'est le droit de reproduction, de distribution et de communication au public. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le code que vous produisez comme informaticien ne vous appartient pas, enfin, on s'en doute. Mais ça veut également dire que si vous travaillez dans une société qui fait des logiciels de backup, et que quand vous rentrez chez vous, vous développez un logiciel de backup, et que vous publiez sous licence GPL, attendez-vous à ce que votre employeur tire un peu la tête et vous dise que c'est du pillage de code. Il y a d'ailleurs eu un exemple avec un logiciel de backup de ce côté-là. Et je dirais, même si la personne est de bonne foi en codant son logiciel et effectivement rentre chez elle, et refait un code original avec d'autres principes de logiciel, c'est relativement problématique, parce que la compréhension de cette présomption de cession est relativement large. Donc, c'est un élément à prendre également en compte lorsque vous publiez du code. Alors, quand vous avez un logiciel, par quoi peut-il être protégé? Alors, il peut être protégé par droit d'auteur, c'est ce que j'ai dit avant. Il peut y avoir des marques. Donc, votre logiciel, il a un nom. Il y a éventuellement un dépôt de marque là derrière. Il peut être protégé par brevet. Ça, généralement, ça fait rouler les libristes. Mais bon, en Europe, c'est pas trop accepté. Hein, encore que, quand on voit ce qui a été déposé, ça existe. Il y a aussi des cas de jurisprudence où c'est tout à fait valable. Et de toute façon, quand vous allez aux États-Unis ou au Japon, les brevets logiciels sont acceptés. Bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça existe. On est obligé de le prendre en compte. Et d'ailleurs, quand vous regardez toute une série de licences de logiciels libres, vous constatez que vous avez des clauses assez claires par rapport aux brevets qui sont présents dans ces licences. Ensuite, dans le logiciel, vous avez éventuellement toute une série d'éléments en plus. Vous pouvez avoir des documentations, donc là aussi couvertes par droit d'auteur. Donc vous avez également des licences spécifiques, Creative Commons par exemple, ou la Free Documentation License. Vous avez des marques, je l'ai déjà dit. Vous avez éventuellement des brevets logiciels. Si votre logiciel est utilisé avec du matériel, vous pouvez éventuellement avoir des licences qui couvrent les schémas électroniques, les plans de la machine, voire le fonctionnement du processeur. Vous avez également des processeurs qui sont publiés, la schématique est publiée
sous forme d'œuvres libres. Alors ça, je ne détaille pas ici, je signale que dans la bibliographie, il y a une présentation que j'ai fait au RML cette année, qui est téléchargeable sur Internet et qui en parle. Et les personnes qui sont intéressées, si elles me contactent d'ici un bon mois, je dois faire une leçon là-dessus à Lille, et donc j'aurai eu le temps d'encore creuser un peu le sujet. Et donc vous pouvez également avoir une protection supplémentaire accordée à des éléments électroniques. Et comme je le disais, vous avez également des licences qui peuvent s'appliquer sur des bases de données. Donc à la fois sur le contenu des bases de données, mais également sur la structuration de la base de données. Voilà, ça je passe rapidement. Alors, ce qui est important pour bien comprendre les modèles d'affaires, c'est les types de familles de licences de logiciels libres. Alors, les deux grands types de familles, ce sont d'une part les licences académiques, qu'on appelle aussi licences permissives, et d'autre part les licences copyleft. Alors, retenez dans les grandes lignes qu'une licence académique, elle permet le changement de licence. Donc, vous pouvez prendre le code source associé au logiciel et le mettre sous une nouvelle licence, y compris une licence propriétaire. Vous avez éventuellement quelques obligations en matière de mention des copyrights, mais rien, je dirais, de très contraignant. La licence copyleft, par contre, impose la conservation de la licence. C'est-à-dire que le code qui a été placé sous GPL doit rester sous GPL. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Alors, quand on dit qu'on ne peut pas revenir en arrière, rappelez-vous, malgré tout ce que j'ai expliqué quelques slides avant, un logiciel est protégé par le droit d'auteur. Et donc, si vous publiez un logiciel sous licence GPL, et que vous êtes propriétaire de la totalité du code, ou que la totalité des contributeurs qui ont travaillé sur ce code vous donnent leur accord, vous avez toujours la possibilité, ultérieurement, de prendre ce code et de le placer sous une autre licence. Les personnes qui auront reçu la copie sous licence GPL continueront à disposer d'une copie sous licence GPL, mais vous qui détenez la totalité des droits patrimoniaux sur ce code, avez la possibilité d'en changer la licence, même si la première publication a été faite sous licence GPL. Alors, dans les licences copyleft, vous avez deux sous-types. Vous avez les licences copyleft faibles et vous avez les licences copyleft fortes. Alors, la distinction, elle se fait au niveau de l'impact de la licence sur les œuvres dérivées. Donc, l'œuvre dérivée, c'est quoi? C'est je prends un logiciel libre, j'en décline un nouveau logiciel. Sous quelle licence ce nouveau logiciel ne va plus être mis? Alors, si vous avez une licence copyleft faible, votre nouveau logiciel qui utilise le logiciel sous licence copyleft faible pourra prendre la licence de votre choix. Si maintenant le logiciel sur lequel vous vous basez est placé sous une licence copyleft forte, en particulier la GPL, le logiciel que vous avez créé qui s'appuie sur le logiciel GPL deviendra lui-même GPL. Donc c'est ce qui explique cette phrase célèbre de Microsoft qui, sur ce plan-là, a gagné la bataille du vocabulaire, une bataille importante, ils ont bien gagné, la licence GPL est une licence virale. C'est cette idée que vous mélangez du code avec des codes GPL, la totalité du code devient GPL, un peu comme si vous embrassez quelqu'un en état grippal, vous aurez aussi la grippe. Un peu l'image forte que Microsoft a voulu utiliser, qu'évidemment, on n'aime pas comme image, mais retenez qu'effectivement, l'effet, c'est celui-là. C'est, si volontairement vous utilisez un logiciel GPL pour créer une œuvre dérivée, votre œuvre dérivée sera également sous licence GPL. Bon, ça n'est pas une licence qui est vicieuse, mais elle impose des droits et des devoirs, et effectivement, il faut mieux lire le texte de la licence auparavant. Alors, si vous avez plusieurs licences pour couvrir un logiciel, l'utilisateur a la possibilité de choisir la licence. Donc, si vous avez un logiciel sous licence GPL et MIT, vous pouvez choisir la GPL ou la MIT. Si vous avez un logiciel sous licence GPL V2 ou version supérieure, vous pouvez choisir entre la licence GPL V2 ou la licence GPL V3. Voilà, petit schéma récapitulatif par rapport à ce que je vous ai expliqué en termes de licence. Donc, ce qui est copyleft reste copyleft. Vous restez dans l'ensemble. Ce qui est non copyleft peut devenir copyleft par changement de licence, peut devenir hybride par changement de licence, peut devenir totalement propriétaire par changement de licence. Un logiciel libre copyleft, non, peut être gratuit, mais il n'est pas forcément. Et un logiciel peut être couvert par différents types de licences. En termes de licence, je passe à ce sujet là-dessus pour basculer sur la partie modèle d'affaires. Il y a une question importante pour les développeurs, et uniquement pour les développeurs. C'est la question de la compatibilité entre licences open source. Donc vous avez des incompatibilités qui existent. C'est-à-dire que si vous cherchez à mélanger deux codes sources
sous licences différentes, ça n'est pas évident que ces deux codes sources peuvent effectivement se mélanger. Exemple concret, vous prenez un code sous licence permissive Apache V2, vous ne pourrez pas le mettre dans un logiciel placé sous licence GPL V2. Par contre, si vous prenez ce même code source et que vous voulez le placer dans un logiciel sous licence GPL V3, là, c'est possible. De la même manière, si vous souhaitez mettre du code GPL V2 dans du code GPL V3, ce n'est pas possible. Par contre, si votre code GPL V2 est en fait sous licence GPL V2 ou supérieure, vous pouvez choisir la licence. Donc, vous pouvez choisir la GPL V3 et donc vous pouvez basculer le code dans de la GPL V3. Voilà. Un peu de gymnastique intellectuelle, mais quand on a compris, ça va relativement vite. Alors, il y a ce problème de compatibilité entre licences open source, je ne m'étends pas là-dessus. Il y a un autre problème de compatibilité qui existe entre les licences de logiciels libres et un instrument de privation de liberté qui sont les places de marché. Donc, nous avons là un utilisateur d'iPad, je suppose que nous avons d'autres. Nous avons peut-être des propriétaires de Windows Phone ici. Donc, quand vous avez besoin d'un logiciel pour ces plateformes, à condition que vous l'ayez, sauf si vous l'avez évidemment débloqué préalablement, mais vous devez passer par des places de marché qui sont complètement contrôlées par le fabricant du terminal. Donc, c'est typiquement l'App Store et le Windows Marketplace. Et quand vous allez voir en fait les conditions d'utilisation de ces places de marché, vous avez des clauses qui sont plus ou moins claires et plus ou moins opposées, je dirais, à l'upload en fait, de logiciels libres, et en particulier de logiciels copyleft, dans ces places de marché. Alors, dans le cas de l'App Store, c'est assez compliqué, parce que le texte est très alambiqué. Je vous invite un jour à lire les conditions d'utilisation de l'App Store. C'est assez tordu. Et on en déduit que ce n'est pas compatible avec les licences de logiciels libres. Mais Apple a une politique d'acceptation, je dirais, assez sélective. C'est des questions, on ne leur casse pas trop les pieds, ils laissent rentrer le logiciel. Si on insiste un peu trop pour qu'ils respectent les licences de logiciels libres, ils virent purement et simplement le logiciel en question. Donc ce n'est pas très très clair. Microsoft a des conditions d'utilisation qui sont beaucoup plus claires de ce point de vue-là. Donc Microsoft vous dit, en gros, les licences permissives, on veut bien. Les licences copyleft, on ne veut pas. En particulier, on rappelle qu'on ne veut pas la licence GPL V3 et la licence LGPL V3, pour ceux qui n'auraient pas compris, on le répète. Mais par contre, il y a des exceptions, c'est que toutes les licences copyleft faibles de type orienté fichier, c'est un type particulier de licence qui permet en fait de placer tout fichier additionnel à un code source sous une licence de son choix, donc en termes de viralité, entre guillemets, elles sont relativement peu contraignantes. Ces licences-là, on les veut bien. Et donc ces licences-là, c'est la CDDL, la MPL, l'EPL, la CPL et la MSRL. Donc le texte est relativement clair par rapport à ce qu'on peut faire et ne pas faire au niveau de la place de marché de Microsoft. Mais donc, je pense qu'il y a ici des gens qui font des applications pour système mobile. C'est un élément qu'il est important de savoir quand vous commencez à publier du logiciel, et en particulier à publier du logiciel sous licence libre. Alors, petit point de détail aussi, vous avez la MSRL. Donc la MSRL, c'est la Microsoft Reciprocal License, à ne pas confondre avec la licence Microsoft Reference License, qui est une licence en lecture seule du code. Donc, vous avez la possibilité d'étudier le code, mais pas de le réutiliser, de le diffuser ou de le modifier. Donc malheureusement, l'acronyme est le même, mais les licences sont complètement différentes. Donc ici, c'est bien la licence réciproque dont il est question. Alors, point aussi auquel il faut être attentif, c'est l'existence de fausses licences open source. Alors, j'ai pris un exemple ici sans mettre de nom, mais c'est un exemple concret. Donc, c'est quelque chose que j'ai très concrètement rencontré dans un audit qu'on m'avait demandé de faire sur deux logiciels. Donc, c'est une licence dite communautaire. Bon, j'ai appelé ça la Superform Community License. Je ne citerai pas de nom plus précis. C'est une licence qui est présentée comme étant open source et de type EUPL. Alors, la licence EUPL, c'est quoi? C'est une licence qui est pas mal faite. En fait, c'est une licence qui a été créée par l'Union européenne, qui a une première caractéristique, c'est d'être multilingue. Donc, les versions dans les différentes langues ont valeur légale, qui a été adaptée au cadre légal de l'Union européenne. Donc, la GPL est parfois considérée par les juristes comme étant un peu trop anglo-saxonne d'inspiration. Donc, l'EUPL a été adapté, je dirais, au cadre continental. Et vous avez un point important qui est une clause de compatibilité avec d'autres licences. Donc les problèmes de compatibilité que j'expliquais juste avant, en fait, tombent avec cette licence-là, sauf avec la GPL V3, parce que la GPL V3 est sortie après l'EUPL, et il n'y a pas encore eu de révision du texte.
Alors, quand vous regardez ce que cette entreprise a fait, donc elle publie un code source sous une licence open source et de type EUL, c'est ce que vous pouvez lire sur le site, et en pratique, quand vous lisez la licence, exercice que je vous invite à faire par précaution dans ce genre de cas de figure, on reprend bien le texte de base de la licence EUL, on supprime les clauses copyleft et les clauses de compatibilité avec les autres licences libres, et on rajoute une clause de gratuité qui représente en fait une contrainte à la diffusion du logiciel. Et donc vous passez d'une licence qui est dite open source et de type EUPL à une licence qui est ni libre ni open source. Donc ça, ce sont des points auxquels je vous invite à faire attention lorsque vous téléchargez du code avec ce type de formulation de type EUPL ou de type open source. Alors, chose sur laquelle je voulais terminer par rapport à l'aspect licence, c'est sur ce point-ci. C'est que lorsque vous avez dans une entreprise, à un moment donné, des décisions, dans une entreprise, dans une université, dans une administration, dans une organisation, quelle qu'elle soit, lorsque vous avez des décisions à prendre en matière de publication de logiciels libres, ou en matière d'utilisation de logiciels libres développés par des tiers, ce que je vous invite à faire, c'est à faire en sorte que ça se fasse de manière assumée, en comprenant bien les bénéfices et les contraintes par rapport à la manière de faire du développement informatique, et donc de prévoir des mécanismes de décision relativement formels dans l'entreprise. Ça ne veut pas dire faire des choses lourdes que tout le monde va essayer de contourner parce que ce sera lourd, mais c'est prévoir des initiatives en matière de sensibilisation des développeurs pour expliquer les distinctions entre les différentes licences. Pour certaines licences, conditionner la publication ou l'utilisation du logiciel à des mécanismes d'approbation en interne. Donc si vous prenez des licences comme la GPL, par exemple, vous avez des clauses d'octroi automatique de licence ou des brevets. Et donc, quand vous travaillez pour HP, pour IBM, pour Microsoft, il est clair que ça n'est pas neutre en termes de conséquences juridiques pour l'entreprise dans son ensemble. Lorsque vous travaillez dans une université, vous avez également une interface de valorisation qui a une certaine conception de la valorisation, qui souhaite éventuellement se préserver des opportunités de déposer certaines technologies sous forme de brevets. Et donc, si vous publiez trop vite du code sur Internet sous licence libre, vous cassez ces possibilités de brevetabilité. Et donc, voilà, je dirais, quel que soit l'organisme dans lequel vous travaillez, de manière à ce que les choses se fassent bien et de manière tout à fait assumée, je dirais, que chacun comprend bien l'impact de ses choix, je vous conseille de mettre en place des mécanismes minimums d'approbation en interne. Donc le but, c'est d'éviter les surprises à la publication. Donc, il y a un exemple qui est bien connu en Belgique, c'est le logiciel électoral belge, qui a été développé par une entreprise de Liège. Puis il y a eu pas mal de pression pour que le code source du logiciel soit publié, et puis ça a été publié. Sans licence. Donc voilà, ça a été publié, mais ça reste un logiciel propriétaire, parce qu'il n'y a pas de licence. Et puis quelqu'un s'est amusé à aller auditer un peu le code source, et a constaté que dans ce code source, il y avait du code source sous licence GPL. Et donc, de facto, ce logiciel électoral devenait GPL, puisqu'en fait, le code était mis en téléchargement. Donc, c'était un cas de communication publique, un cas de distribution, et donc, l'action de la licence GPL se faisait sur l'œuvre dérivée, et la totalité du logiciel était supposée être sous GPL. Alors, je ne dis pas que c'est dérangeant qu'un logiciel électoral soit sous licence GPL, ça n'est pas ce que je dis, mais ce qui est dommage, c'est que cette conséquence de l'utilisation d'un logiciel GPL, visiblement, n'est pas été anticipée par l'entreprise qui avait réalisé le développement.